Hello, salut à tous. Je lance le stream un peu en retard, mais néanmoins en avance, parce que le jeu n'est pas encore. Il y a un petit problème avec le jeu, donc je suis en train de le réinstaller. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit retard. Je suis désolé. Oui, c'est spécial niveau DA, Denis. Oui, c'est spécial. Et le test est normalement sur le site maintenant. Ça fait très annonce de jeu. Ouais, normalement il est sur le site pile maintenant. Donc si vous voulez aller voir, ouais. Normalement, il doit y être. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Je commence à sortir un peu. Mais ça fatigue cette merde. Hein. Ouais. Il est sur le Game Pass. Oui, pour ceux qui aiment. Ouais. Et donc, ouais, non, il est. Il est. Ouais, si vous avez le droit de premier. Alors, est-ce que c'est un FPS? Grande question. Ils ont beaucoup joué sur le flou pendant les trailers. D'ailleurs, j'en parle dans le test. On sait pas, on savait pas trop si c'était un walking simulator, un peu un puzzle game, un truc un peu à la Myst. Ou un FPS, en fait, c'est un petit peu entre les trois, on va dire. Et ça réussit quelques petites choses dans les trois éléments, et ça en rate beaucoup. En tout cas, c'est pas exploité comme ça aurait pu l'être, surtout pour un jeu qui est resté quand même, quoi, 8 ans en développement, facile. Enfin, au moins, parce qu'il a été annoncé en 2014 pour la première fois. Donc voilà, c'est en train d'installer. Le jeu, il va redémarrer dans 6 minutes. Désolé pour le retard. Mais de toute façon, c'est bien que ça, je vous montrerai que le début, parce que c'est un jeu qui, pour le coup, je vous dis, n'a strictement aucun intérêt si vous l'avez déjà vu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de découvrir en fait l'univers. Il y a des passages qui sont quand même vraiment visuellement très 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 cool. Alors c'est pas au point d'Agony. Je sais pas si vous vous souvenez d'Agony qui était pour le coup vraiment une merde et un jeu qui reposait uniquement sur la DA. Là c'est quand même il y a un semblant de gameplay. Il y a quelques bonnes idées. Par contre, oui, en effet, Yoxodov, c'est peut-être pas le meilleur stream pour l'heure du repas. Mais surtout que ça commence quand même assez fort. Et c'est de pire en pire. Mais le début en particulier, est vraiment, vraiment, il y a un passage qui est assez dur. 36 euros, non. Y a pas, alors, il y a un jeu derrière la DA. Il y a quelques bonnes idées de gameplay. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, elles ne sont pas exploitées comme elles auraient pu l'être. On aurait aimé qu'il y ait des petites idées de gameplay petit à petit, surtout que c'est pas un monde ouvert, mais c'est un monde dans lequel on se promène quand même un petit peu. Et ça aurait été bien que les éléments se rajoutent comme ça petit à petit, que c'est comme dans un bon puzzle game ou un bon jeu, où il y a de nouveaux, ou n'importe quel jeu d'ailleurs, hein, depuis Zelda ou n'importe quoi, où il y a de nouveaux éléments de gameplay qui arrivent petit à petit et chacun ajoute une note supplémentaire, ce qui fait qu'à la fin il y a toute une palette de trucs qu'on peut faire. Là, c'est un peu différent. Il y a une bonne idée, parfois on dit ah, c'est cool, et puis elle n'est plus jamais exploitée. Donc du coup, c'est une suite de tableaux, en fait, qui est un peu. C'est un peu dommage. Est-ce que ça fait peur? Alors, il n'y a pas de jumpscare. Enfin, vaguement, s'il y a une sorte de passage qui est très très alien pour le coup. Où là, il y a un petit peu du jumpscare. Mais très peu, franchement, c'est pas violent du tout. Par contre, c'est gore, et surtout vers la fin, passer la moitié en particulier, et surtout la toute fin, au niveau body horror, c'est violent. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Donc voilà, mais le trailer donne envie, et visuellement, c'est vraiment pas mal. Visuellement, c'est un peu pas mal. C'est vraiment. Il y a quelques bonnes idées, même si, bon, encore une fois, c'est un peu. Alors, chaque zone a ses propres particularités visuelles, ou il y a quand même pas mal de points communs entre les différentes zones. Mais ouais, c'est quand même. Merci, Sokoban, pour ton abo. C'est quand même toujours un petit peu la même chose. Ah oui, alors la mort, le démon, elle est galère. Oui, les flingues sont très 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 existence. Notamment le pistolet, c'est exactement le pistolet d'existence. Sauf qu'il tire pas des dents, ce qui aurait été vraiment cool. Mais non, il tire des sortes de petites cartouches de sport qu'on récupère. Mais sinon, c'est exactement le flingue d'existence. Ouais. Bon, allez, ça démarre dans 3 minutes. Voilà. Si vous avez des questions sur le jeu. Ah oui, c'est un jeu qui est réservoir de jeux de mots. Oui, c'est complètement Giger. C'est Giger et Baczynski, c'est vraiment les deux grosses influences du jeu. Et c'est vraiment. Ah oui, non, non, Denis, voyons. Oh, quoi, remarque, après tout. Partons, partons nous marier à Las Vegas. Les énigmes sont difficiles. Alors, les énigmes sont. Certaines sont un peu coton, mais c'est jamais des énigmes qui demandent beaucoup. En fait, c'est vraiment des puzzles. C'est-à-dire que c'est le genre de truc que vous auriez dans Professeur Layton, quoi. C'est-à-dire vous arrivez, vous avez un truc à résoudre. Et parfois, faut réfléchir un peu quand même, c'est pas juste trois boutons appuyés dans l'ordre. Mais il n'y a jamais des puzzles compliqués où il faut se souvenir de différents éléments, quoi, combiner un peu partout dans le jeu. Vous n'avez pas besoin de penser à long terme, en fait. C'est vraiment juste, bah, vous allez voir, hein, dès le début, la première énigme du. Je joue à Scorn, Amstrad. Niveau sonore, je crois que c'est un type qui s'est endormi sur son synthé.
Et il y a des nappes qui font. Par contre, la bio, la BO, enfin les effets sonores sont très 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 bien. C'est vraiment. Par contre, le problème, mais c'est mon rapport à tout dans la vie, Fougnon. Hein. Moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. C'est, tu veux te marier? Bon, ok. J'ai un rapport aux choses en général qui est assez proche de celui d'Agbou à ce niveau-là. Oui, c'est vrai que la catégorie du stream peut répondre à ta question. C'est abstrait. Alors, l'abstraction du jeu, enfin, le fait que vous allez voir au début, c'est bien qu'on voit que la première zone, parce que c'est un bon résumé de la façon dont ça fonctionne. 1 minute 30, je fais le compte à rebours. C'est bien, en fait, comme c'est un jeu qui a quand même beaucoup reposé sur le fait de se faire désirer, ça a créé l'attente pour un jeu qui, franchement, ne méritait pas forcément autant. C'est bien que le stream commence comme ça aussi. Bien sûr, c'est que pour des raisons fiscales, exactement. Oh, mais moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir, Birut. Ça me fait très plaisir. Alors, hop. Comme un con bloqué dans la première salle. Ouais, et ben, je suis resté bloqué longtemps, bloqué dans la première salle aussi, Armakis. Et en plus, comme j'ai eu le jeu en avance, on a eu la clé. Donc là, le jeu sort aujourd'hui, on a eu la clé mardi ou lundi, je sais plus. Du coup, j'ai connu ce moment terrible du testeur de puzzle game où tu peux pas aller sur YouTube parce que personne a fini le jeu avant toi. Et du coup, quand t'es bloqué, t'es vraiment bloqué, quoi. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est pour certains jeux, c'est pas gênant. Surtout les jeux de skill, par exemple, bah là, bah, tu peux rien. Si t'es nul, t'es nul, hein, tu t'assumes. Mais quand c'est des puzzle games où vraiment tu te dis, mais comment on sort de ce truc? En plus, il y a des passages. Alors, comme les décors sont très, très organiques, il y a quand même ce côté souvent très chiant de te dire. Comment dire ça? Souvent, en fait, on tourne en rond pendant 10 minutes avant de dire ah, mais on pouvait passer là, parce qu'il y a une sorte de petit orifice dans lequel on peut se glisser, et là il y a une manette qui ouvre la porte, quoi. Et ça, ça m'a fait le coup 2-3 fois dans le jeu, qu'il faut à peu près 8 heures pour finir, hein, je vous préviens. C'est quand même un peu. Bah non, en plus, j'étais chez moi comme j'avais le Covid, donc j'ai même pas pu aller demander de l'aide à la rédac. Si je suis passé à la rédac mercredi, mais Denis il a vu le jeu, il a fait ah c'est dégueu ton truc, il est parti, ça m'a vachement aidé, merci Denis. Alors lançons le jeu, tiens justement, puisqu'on y est. Poum. Tiens pourquoi c'est fermé, pourquoi c'est pas fermé ça? Hop. Attention, on va jouer à Scorn. Vous êtes prêts? C'est parti. Oui, ça c'est du vésicule caché. Ah bah je lui ai déjà mis une note, il est sur c'est sur le site. Oui, j'ai eu le Covid, oui, c'est pas rigolo. Je suis pas. J'avais réussi à passer entre les gouttes jusque-là. Bah le super ça démarre plus maintenant. Ah si, c'est bon, c'est en train de charger. Oui, c'est possible qu'ils aient rajouté le surlignage des interactions. Après, il est pas mal. L'interface est assez cool avec le petit rond qui t'indique que tu peux interagir et tu dois te rapprocher pour savoir si l'interaction est possible ou pas. Bah super, allez. Aucun respect pour le plein écran. Et vous avez le son du jeu? Oui. Non, c'était pas la grippe. Après, c'est à peu près pareil. Hein. Mais ça dure plus longtemps. Hein. Je suis encore crevé là. J'ai dormi 12 heures cette nuit alors que je dors jamais normalement. Allons-y. Hop là. Alors. Ah bah oui, forcément, comme je l'ai réinstallé, il me. Je vais booster bien la gamma parce que je vois rien du tout. Alors. Nouvelle partie. Ben, alors, nouvelle partie. Attends, choix de l'emplacement. Ça, c'est la fin du jeu. Alors vous voyez, j'ai mis 8 heures pour le finir, voilà. Et j'ai pas mal tourné en rond. Allez, nouvelle partie. Donc ça, c'est nous. Ouais, ben franchement, je me sentais aussi un peu hors du coup, Souba, avec le Covid. Et ben en fait, non, c'est bien de ne pas l'avoir, crois-moi. Après, ça dépend, hein, il y a des gens qui ont. Et les vaccins m'avaient rien fait. J'ai mis 3 doses, j'étais là, poup, et là, putain, pouf. Donc ça c'est nous. Donc encore un jeu qui encourage des modèles de corps impossibles à atteindre. C'est cruel pour Malware de dire que c'est moi et Isual la caution littéraire Amstradgram. Alors, c'est bon, ça rame pas, c'est beau. Voilà. Ah là, c'est le Beach Body, ouais. Donc voilà, c'est un peu. Voilà, c'est comme ça.
on voit notre corps de l'extérieur à la fin, à un moment. Surtout qu'au moment où on le voit, il est quand même déjà bien abîmé. C'est pas beau à voir. Parce qu'on accède vraiment à une machine qui nous permet de nous voir de l'extérieur. Enfin, en gros, on va pratiquer de la chirurgie sur soi-même. Enfin, bref. Pourtant, en termes de body horror, je suis quand même assez... assez blindé. Mais là, il y a des passages, j'ai quand même bien serré les dents. Donc, on va commencer déjà par passer en QWERTY. Parce que nous sommes en France, monsieur. Et nous voilà. Donc, on se réveille dans cette espèce de corridor où on est arrivé là en tombant. Voilà, parce qu'on est sorti d'une sorte de cocon. Et on n'est pas les seuls dans le vrai cocon. Donc là, ça va être un des systèmes de clés qu'il y aura plus tard dans le jeu. En gros, vous allez avoir une clé qu'il va falloir charger à différents endroits. Et selon le nombre de points, elle donne accès à plus ou moins... Par exemple, si vous avez un point, vous avez accès aux secteurs qui sont verrouillés avec un point, etc. Mais pour le moment, on n'a pas la clé. Donc, pom 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 pom. Oui, c'est un bon jeu de cocooning, exactement, Alain Bashing. C'est du cocooning complet. Je ne me souviens même plus du début. Je me souviens quand on arrive dans la première salle où il y a la grande machine, là. Je ne me souviens plus de ça. Alors, il faut savoir que c'est quand même un jeu très orienté machine-outil. Hein. Oui, c'est totalement l'Indicosi. Là, on va sortir de la machine, on ne peut pas aller par là. Alors, il faut savoir que les niveaux donnent l'impression d'être extrêmement labyrinthiques. En fait, ils sont assez linéaires, en fait. C'est juste que comme c'est extrêmement biscornu, ça paraît plus complexe que ça l'est en réalité. Donc là, pareil, il faut... Ah, non, il faut la clé, mais j'ai pas de clé. Je n'aime plus qu'il y avait une clé avec zéro point, tiens. Voilà, où est-ce qu'on arrive? Ah oui, c'est là qu'on va arriver sur la première grande machine. Parce que le but du jeu, essentiellement, c'est de faire fonctionner des machines-outils. Hein. Biscornu, exactement, Oscar. Hop. Ah, pour un Planescape Tour, ouais, visuellement c'est très très beau, enfin beau. Après, les amateurs aimeront, mais en tout cas en termes de travail visuel, c'est très 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 chouette. Alors là, regardez, on a une petite machine qui va être une des interfaces qu'on va devoir utiliser dans le jeu, mais je ne peux rien faire parce que ma main est tout à fait normale, enfin presque. Heureusement, on va trouver ce système qui, anecdote amusante, sera celui qui va être utilisé en remplacement du Pass Navigo par la RATP en 2024. Regardez, je mets ma main dedans. Et hop, j'ai une interface qui est fixée à ma main. Ah oui, mais c'est clair, ils le reconnaissent. Déjà, oui, déjà, pourquoi mettre sa main dedans? Ça, c'est vraiment... Ça, c'est c'est pas la pulsion scopique, mais c'est la pulsion vouloir mettre sa main n'importe où. C'est vraiment... Ça, c'est un truc de mec. Alors, allons-y. Hop. Donc là, vous allez voir un peu comment fonctionnent les interfaces dans le jeu. Bloop. Il y a un petit gant. Et souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a le choix entre... On peut déplacer des trucs. Hop. Et les activer. En gros, c'est le principe. Donc là, bon, c'est le plus simple. On fait qu'ouvrir les deux verrous et ça s'ouvre. C'est plus ou moins un taille crayon pour main. Ouais. Plus tard dans le jeu, il y a quelque chose qui est plus ou moins un taille crayon pour main. C'est l'histoire. Mais vous verrez plus tard, c'est tout à la fin. Et c'est vraiment dur à regarder. Ah oui, attends, cours, 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 cours. Voilà. Non. Je sais pas si on peut se faire écraser par la porte. Donc nous voilà dans la première salle. Enfin, la première vraie salle. Donc on a une sorte de grosse machine. Avec autour des rails qui conduisent à différents endroits, vous voyez, avec des machines. Par exemple, cette machine-là. Et donc, tout le jeu, c'est ça, en gros. Enfin, tout le jeu, une bonne partie du jeu, c'est que vous allez avoir des sortes de machines bio-organiques, enfin, biomécaniques très bizarres. Et vous allez devoir comprendre à quoi elles servent. Donc, par exemple, faites ça, vous mettez le doigt là-dedans, qu'est-ce que ça fait? Hop, ça bouge. En fait, c'est une machine à faire des boules de glace. Ici, c'est quoi?
Voilà. Et là, ça va être déplacer un truc. Alors, ça va pas être déplacer. Vous voyez, on peut le mettre dans deux positions différentes. Donc, on le met comme ça. Si j'utilise. Donc, on voit que la machine essaye d'attraper un truc, mais qu'il n'y a rien. Donc, ça marche pas. Donc, en fait, ça, c'est assez cool dans le jeu. C'est qu'il n'y a aucun mot d'explication nulle part, forcément. Mais on va devoir essayer de comprendre à quoi servent les choses en voyant ce que les machines essayent de faire sans y arriver. Donc là, par exemple, c'est une machine apparemment qui sert à déplacer quelque chose de là à là. Parce que je peux la mettre ici. Et là, j'appuie. Voilà, elle est censée mettre un truc là. Mais quoi? On ne sait pas. Ouais, alors pour le moment, alors là, il y a un ascenseur. Donc... Et on va quand même vous montrer ça pour apprendre l'ascenseur après. Donc il y a plein de machines différentes. Enfin, il y en a plein, il y en a deux, je crois. Là, il y a une porte qu'on va devoir franchir, mais la franchir, c'est compliqué parce que, regardez, on peut aller là. Ça ouvre l'espèce de verrou, là. Mais le problème, c'est qu'il se referme. Et si on fait ça, on peut entrouvrir la porte, mais elle va être bloquée par les verrous. Il faudrait trouver un moyen de faire les deux à la fois. Comment faire? Grande question. Alors, il y a des œufs par terre. Il y a plein de trucs par terre, c'est... Et encore, là, c'est que le début. C'est de plus en plus dégueulasse. Là, au début, c'est relativement minéral. Ensuite, ça devient un petit peu organique. Et là, c'est un peu crado. Alors, voilà. Là, on va mettre la tête là-dedans, ce qui est une très mauvaise idée, mais bon. Et là, vous voyez, hop, on a une vue du dessus. Donc là, on se voit du dessus, par exemple. Et là, j'ai un accès à tout l'espèce de réseau de chemin de fer. Donc, vous voyez, je peux bouger les rails. Là, par exemple, j'ai fait un circuit fermé. Et ça servira après, parce qu'évidemment, il y a un truc qui va devoir circuler sur ces rails et qu'on va devoir amener aux machines. Mais lequel, on ne sait pas encore. Le puzzle design est assez cool. Enfin, ça dépend des moments. Le premier est pas mal. Il y en a d'autres, c'est vraiment... enfin, c'est vraiment Professeur Layton, quoi. C'est vraiment des petits labyrinthes avec une boule à faire circuler dedans. Enfin, des trucs... t'es là, ouais, quand même. C'est... Alors, ah oui, c'est pas très Agbu compatible comme rangement. Ah oui, il y a un côté Myst. Hein. Il y a un côté Myst, c'est Myst par Cronenberg, quoi. Mais Myst est quand même vachement plus travaillé au niveau des énigmes. Mais les tags du stream sont pas mis à jour? Bah, pourtant, attendez, bougez pas. Alors attendez, ça fait n'importe quoi. Ah bah super. Voilà, c'est ça que vous vouliez? Une boucle? Oui, oui. Bah, alors ça dépend pourquoi. Il y a quand même une aspiration un peu Cronenberg pour certains trucs. Oui, alors il y a des FPS. Il y a des parties FPS après. Qui sont, pour certaines, un peu réussies. Notamment la première arme est très intéressante. Après, c'est un peu nul. Mais la première arme, quand on a que la première arme, c'est assez intéressant. Alors regardez, nous voilà en haut. Et là, oh, il y a des petits œufs. Et alors là, c'est le premier vrai puzzle du jeu qui est super chiant. On va passer une heure dessus parce que j'ai oublié comment on fait. J'ai mis un temps à faire ce truc. Alors. Là, vous voyez, il y a des mains. Alors, pas, il y a une machine. Encore une fois. Vous voyez, hop. Qui est censé attraper des trucs. Donc, ça essaye d'attraper un œuf. Pour le mettre sur l'espèce de tapis roulant, là. Ou enfin, de crémaillère, ou je sais pas quoi. Mais, évidemment, il n'y a pas d'œuf. Donc, il va falloir prendre celui-là. Et utiliser l'espèce de machine. Un peu comme dans les foires, hein. Pour déplacer les œufs. Alors le problème c'est qu'il y a certains œufs qui sont indépendants, comme celui-ci. D'autres sont reliés à d'autres œufs. Ils les déplacent par deux, là on voit qu'il y a une sorte de tissu conjonctif entre les deux. Donc on peut pas les déplacer, donc c'est chiant. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par... Et il faut savoir évidemment que les seuls œufs qu'on peut attraper, c'est ceux avec des petits yeux. Voilà, ça, je vous le dis comme ça on gagne du temps. Hein. Et parce que j'aimerais bien qu'on passe pas tout le stream sur ce puzzle. Hop là. Hop là. Tac, 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 tac. Ah bah super, je suis déjà coincé. Attends, toi tu vas t'aller en bas. C'est un enfer ce truc. D'abord, faut commencer par celui-là. C'est un des puzzles les plus compliqués du jeu. Vraiment. Donc là, on a celui-là qui est en place. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller le chercher. Mais là, qu'est-ce qui va se passer?
L'œuf était abîmé, du coup. Il s'est cassé. Eh oui. Donc, ça n'a pas marché. Donc, il va nous falloir un autre œuf. Et le seul autre œuf qui a des petits yeux allumés, c'est celui qui est en bas à droite, là. Et là. Ah, mais les tags! Mais non, les tags sont bons. Horreur, jeu d'aventure, jeu indé, action. Ils sont bons, les tags! Eh, mais attendez, alors déjà. Ils sont bons, les tags. Qu'est-ce que vous voulez? Horreur, jeu d'aventure, jeu indé, action. Catégorie scorn. Bah oui, ils sont bons, les tags. Moi, je veux bien changer les tags, hein, mais ils sont. Ouais, je suis désolé, mais mes tags sont à jour. Alors. Eh ben, c'est qu'il y a un bug, parce que moi, j'ai tout validé. Alors là, c'est là que ça va être très chiant. C'est qu'en fait, il va falloir se débrouiller pour attraper ce truc-là. Et le mettre ici. Et là, eh ben, écoutez, je vous retrouve dans 1 heure. Alors, c'est un enfer. C'est un enfer. Voilà, c'est vraiment le puzzle le plus. Alors là, de toute façon, on peut le déplacer que vers le haut, comme ça. Donc, on va déjà faire ça. Comme ça, on va le déplacer. Hop là. Ensuite. Ah ben non, parce que d'abord, il va falloir déplacer. Attends. Hop. Toi, tu vas là. Faut déjà dégager de la place, parce qu'on aura besoin de la place après. Donc, on va commencer par faire ça. Voilà. Ensuite, qui d'autre nous dérange? Toi, tu vas aller là. Il y a celui-là qui va être chiant. Je crois que je vais le mettre là-haut, mais j'ai pas essayé une très bonne idée de le mettre. Ah si, si, je sais que je vais le mettre. Je vais le mettre là. Ici, il ne dérangera pas. De toute façon, j'ai rien de vertical à déplacer ensuite. Donc voilà. Ensuite, ça. Faut que je le mette là. Oui, de toute façon, je suis obligé de le déplacer de 2 crans. Parce que je ne peux pas déplacer par là, hein, comme là, il n'y a pas de support. Je suis obligé de le déplacer comme ça. Sauf que si je le déplace comme ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, c'est une mauvaise idée. Ah si, attends. Lui, je vais le mettre là. Bah non, je peux pas. Ah si, il faut que je fasse ça. La palette de couleurs est cool. Ouais, ça, vous avez intérêt à aimer le gris et le marron. Ça, on va le mettre ici. Non, parce qu'il y a celui-là qui va bloquer de toute façon. Ou alors, faudrait que je mette celui-là. Bah non, parce que là, ça va bloquer aussi. Si je le mets là, ça bloque aussi. Là, je peux plus le monter. Ah, attends. Bah non. Ah si, je peux faire ça. Ah non, parce que je peux pas le mettre là. Crrr, sa mère. Attends. Lui, je le mets là. Non, c'est pas bon. C'est ça, exactement, ton yo-yo. C'est Ah, c'est un des pires du jeu, celui-là. Hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis au début, c'est le meilleur moyen de dégoûter les gens. C'est que tu dis tous les puzzles du jeu vont être comme ça. Non, après c'est mieux. Enfin, c'est mieux, c'est beaucoup plus simple. Mais le puzzle design n'est pas ouf. Hein. C'est que ce genre de truc, oui. C'est quand je dis que c'est du professeur Layton, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment des énigmes qu'il pourrait y avoir dans des jeux flash, quoi. Descends les deux verticaux du milieu, je peux pas. Parce que là, je peux pas les descendre. Il faut que je les. Il y a le seul endroit où je peux les descendre, c'est. Ou alors si je peux peut-être faire ça. Bah non. Parce que si ça, je. Attends. Si celui-là, je le mets là. Si, ok. Alors attends. Celui-là, je peux le mettre là. Non, toi tu vas là. Lui, non, parce qu'il faudra forcément que je dégage la place en haut, sinon ça passera pas. Ah, le jeu vidéo. Merci Artum Senna. Il y a un bouton pour reset. Non, il n'y a pas de bouton pour reset. Non, je m'étais posé la question quand je l'ai fait. Oh, on finit par y arriver, c'est juste très laborieux, quoi. Le gameplay change. Après, il y a des passages. J'espère qu'on arrivera un peu au passage FPS. Oui, parce que c'est assez rapide.
Au moins, la première arme est vraiment très 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 bien. C'est une des meilleures armes que j'ai vues dans un FPS. Mais après, malheureusement, c'est juste pistolet organique, fusil à pompe organique et compagnie. Et en plus, les combats sont pas terribles. Mais la première arme est vraiment très chouette. Là, je peux pas le monter. Alors, attends, comment je peux faire? Putain, j'avais pas eu trop de mal en plus. Enfin, j'avais pas eu trop de mal. Le vertical à descendre au milieu. Quoi, alors attends, je peux le mettre là? Je peux pas le mettre plus bas que ça. Hein. Donc, ah si, t'as raison. Ça, je peux le mettre là, du coup. Hop. Oui, t'as raison. Bravo. C'est ça. GG. Non. Attends, faut que je passe celui-là d'abord. Parce que sinon, je vais être bloqué après. Faut que je passe ce petit œuf tout seul, là, d'abord. Et lui, je sais pas où je peux le mettre. Parce que si je fais ça, lui, je peux le bouger que comme ça. Et là, ça passe pas. Lui, ça va être là. Ça, là, non. C'est quoi l'objectif de ce puzzle? C'est d'amener cet œuf là, celui avec les yeux qui brillent, là. Ici, là où il y a la lumière. Alors. Attends. Non, le pire, c'est que c'était bien, là. On était pas mal. Faut juste que je trouve un moyen de dégager... Ou alors, attends, non, lui, je peux pas le bouger. Faut que j'ai dégagé ici, ici aussi, sinon c'est pas bon. Si je mets ça là, je peux plus monter. Non, celui-là, faut vraiment que je trouve un moyen de bouger, mais comment? Non, je crois qu'il va falloir que je refasse plein de trucs, là. Attends, faut que je dégage celui-là. Ouais, du bon gameplay. Tiens, toi, tu vas aller là. Comment je vais pouvoir déplacer ce stuff de merde, là? C'est lui qui me bloque. Attends, on va remettre tout comme c'était. Ah non, parce que si je fais ça, il est bloqué. Attends, l'œuf là, je vais le mettre là. Voilà, c'est bon, je crois que j'ai trouvé. Bah non, parce que si je fais ça, si je le bouge là, je peux plus le bouger ensuite. Là, ça bloque ça. Donc, je peux pas faire ça non plus. Comment je peux bouger cette merde? Attends, si je peux peut-être le mettre là. Comme ça résout rien. Il y a un truc que j'ai mal fait. Je sais pas quoi, mais il y a un truc que j'ai mal fait. Attends, vous avez pas encore vu ce qu'il y a dans les œufs. Si on arrive à finir ce puzzle avant 14h, vous verrez que vous verrez ce qu'il y a dans les œufs. Et là, vous verrez que oui, c'est... L'œuf représente la dépression. Le unique en haut à gauche. Ouais, moi je veux bien, mais attends. Le problème, c'est que si je le mets là, je peux plus rien faire après. Si je le mets là... Attends, en haut à gauche, je veux dire ici? Mais je peux pas. Parce que si je le mets là, et que je mets celui-là là, ça bloque après. Là, je peux rien faire. Là, je monte celui-là, et là, je peux plus bouger. Donc c'est pas ça non plus. Tu remets les verticaux au milieu, tu passes les horizontaux, tout seul à droite, tu décales les verticaux. Alors, tu remets les verticaux au milieu. Le seul vertical que j'ai, c'est celui-là. Donc, je remets là, ok. Hop, je remets les verticaux au milieu. Ah oui, donc là, l'œuf, c'est vrai que je peux le passer. Ah oui, t'as raison, je vais faire ça, t'as raison. Ça doit pouvoir marcher, ça. Oui, en effet. Je fais ça comme ça, celui-là, là. En effet, on va y arriver. GG. Là, on est bon. Très très bien les idiots. On voit ton expérience du puzzle game. Et là on est bon. Oui. Voilà. Ah bah non, parce que là je suis bloqué. Comment est-ce que je peux déplacer celui-là? Où est-ce que je peux mettre celui-là? Il n'y a aucun endroit où je peux le mettre celui-là. Merde. Merde, on était bien là. Attends, si. Celui-là on va le mettre là. Celui-là on va le mettre là. Le tout, c'est d'essayer de les compacter un peu. Bah non, ça bloque aussi. Oui, ça rallonge la durée du jeu, exactement. Alors, attends. Comment on va faire?
Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Bon, c'est bloqué, je suis désolé. Alors attends. Oh là, c'est pas trop mal, hein. Alors. Ah non, mais c'est l'enfer ce passage. L'idée serait de le passer comme ça, mais là je peux pas, ça bloque. Attends, faut que je dégage. De toute façon, faut que ça, ce soit vide. C'est de là, celui-là doit rester vide. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et celui-là. En fait, tout doit rester vide. Faut qu'il n'y ait plus rien de ce côté-là. Ok, on n'est pas dans la merde. Faut que je. Non, en fait, là, il va falloir que je dégage de la place de ce côté-là. Il y a un vide tout à droite. Oui, il y a un trou ici. Et je pense qu'il faudrait que. Ça veut dire que c'est pas optimisé mon rangement. Ça veut dire qu'il faut que je trouve un moyen. Ah mais oui! Mais je suis con. Il y avait un trou là, mais oui, en effet. Du coup, là, je peux faire ça. Même si là, c'est pas une bonne idée. Il faut que je mette un doublon ici. Ouais, je dois pouvoir y arriver là. En effet, j'avais un truc qui n'était pas bien rangé. Et là, c'est un simple. Ah mais ceux-là, on peut pas les bouger. Parce qu'il y en a 4 et ils sont bloqués. Bah non, c'est que des simples. Donc faut que je fasse. Enfin, je bouge celui-là. Parce que je vais pas y arriver. Attends, toi tu vas là. Voilà, on va faire comme ça. Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller dans le trou là. Attends. En espérant que ça bloque pas tout. Toi, tu vas aller là. Ouais, on va y arriver, c'est bon. Toi, tu vas là. Non, il faudrait déplacer celui-là avant. Celui-là, on va le mettre là. Oh putain. Oui! Voilà. Regardez comme c'est beau. Et bah la vache. Voilà. Voilà, du bon gameplay. Pas du tout frustrant. Et là, hop là. First try, exactement, Nico. Mais non, mauvaise langue, Coralisan. Hop, et on a attrapé un petit œuf. Et regardez, il y a des pattes dedans. Oui, en effet, Damien, et c'est un des gros problèmes du jeu. Même si c'est moins le cas après, il y a moins de puzzles comme ça, mais il y a quelques puzzles. Alors ils sont moins durs, celui-là c'est un des plus chiants. Mais où c'est pareil, c'est des petits labyrinthes avec des boules à déplacer, mais c'est vraiment des jeux de foire en fait. Et avec le reste du jeu, ça fait un petit décalage qui est un peu bizarre. Alors, on va chercher l'œuf en bas, parce que la petite machine l'a descendu. Ça devrait être un film plutôt qu'un jeu, je pense aussi, Zlatan. Ça aurait fait un très bon court-métrage, un peu chelou, mais... Allez. On va aller chercher notre petit œuf. Ah, c'est joli, hein. C'est vraiment très très joli. Alors, il n'y a pas de morpion, mais franchement, c'est pas loin. Alors, où il a fait descendre le petit œuf? C'est là où il y a l'espèce de crémaillère. Ah! J'entends des cris, ça doit être par là. Ah, il est là. Attends. Je crois qu'il est ici. On va aller le chercher. Ça doit être cette machine-là. Non, ça, c'est une machine qui sert après. Ah non, c'est là. C'est là où il y a l'espèce de pouille, là. Allez, on va aller le chercher. Ah oui, bah oui, il y a le petit siège. Regardez, on va aller chercher notre copain. Il est dans l'œuf. On va avoir un ami. En VR, ce serait très bien, oui. Hop. Hop, on va le mettre dans le petit. Et voilà.
Et voilà, on a un ami. Et on va pouvoir le promener. Parce que donc on a fermé le circuit de rail. Et voilà. On peut promener notre petit copain. Hyper. Oui, exactement. Alors, vous y attachez pas trop. Si vous êtes en train de manger, je vous recommande de ne pas voilà, d'éventuellement passer en mode audio sur le stream. Là, par exemple, là, ça s'est bloqué. Du coup, on va être obligé d'activer la machine pour le débloquer. Yep, là. Petit, ça a cassé son œuf. Alors regardez, on a dû faire, et c'est horrible. Ce jeu est horrible. On passe son temps à faire un truc super sadique à des pauvres petites bêtes qui font rien. Regardez le pauvre. Ah mais c'est horrible, mais c'est vraiment horrible. D'accord, si t'as pas idée, et c'est que le début. Hein. Il y a des passages à la fin, j'étais là. Ouf. Bon alors, qu'est-ce qu'on va en faire? D'abord, il va falloir trouver comment on sort d'ici, parce que sinon on va le tourner en rond pendant des siècles. Et la machine ne lui fait pas du bien, donc du coup, faut qu'on sorte d'ici. Ah, mais là, c'est soft en titan, oui, t'as pas vu, mais là, plus tard dans le jeu, c'est des moments où j'étais là. C'est. Il y a vraiment la vibe du clip Happiness in Slavery de Nine Inch Nails, avec vraiment une machine qui broie des trucs, quoi, et des gens. C'est assez horrible. Donc par où on peut sortir? Alors il est là notre petit copain. On va l'amener. À quelle machine on peut l'amener? On va l'amener à la machine suivante. Ah non, je vais l'amener à l'autre machine. Je l'avais jamais amené à celle-là. Il y a plusieurs machines, je me demande si elles font la même chose en fait. On peut l'amener ou à la machine qui démoule les boules de glace là. Ou à une autre machine avec une scie. Alors la dernière fois je l'avais amené à la machine boule de glace. Et là je vais l'amener à la machine scie. Enfin si ça fait quelque chose de différent. Je pense pas. Hein. Bah, il a peur de nous maintenant, mais on va pas te faire de mal, petit. Allez, en avant. On sait pas. Alors, il n'y a pas. Y a pas. Alors, c'est le gros drame. C'est le gros drame du jeu. C'est que. Enfin, c'est un peu. Enfin, c'est un non-spoiler. Hein. C'est qu'en fait, dans le communiqué de presse. Ils disent, ou je crois que c'est aussi dans la description du jeu sur Steam, ils disent, vous allez voir, vous êtes plongé dans un univers incompréhensible avec des machines étranges et tout, mais peu à peu, vous allez comprendre. Et à la fin, vous comprendrez ce qu'est la machine, en fait. Et moi, je me disais, ah, c'est cool, ils ont fait un truc un peu à la The Witness. Et à la fin, tout ce qui paraissait complètement obscur et horrible, on va comprendre, en fait, quelle place on joue dans la machine et à quoi elle sert, etc. Et en fait, non, on comprend rien. Donc, du coup, c'est un peu décevant de se dire, ben, tout ça pour rien, en fait. Et voilà, tu es arrivé. Voilà. Alors on va l'attraper avec la petite machine. Vous allez quand même faire des puzzles que vous avez vu dans d'autres jeux. Non mais ça aurait été bien si vraiment à la petit à petit on avait compris quelle place on occupe dans la machine, y compris une place horrible et tout, ça aurait été bien, enfin ça aurait été vraiment ça aurait été un bon ressort pour un jeu d'horreur quoi. Mais là en fait bon, on comprend rien, en fait on fait des trucs sadiques et horribles tout le long et il y a des machines affreuses, mais bah, ça nous avance pas beaucoup quoi. Alors puis il le met là. D'accord. Alors je l'avais jamais mis dans cette machine là, moi je l'avais mis dans l'autre machine, celle que vous avez montrée tout à l'heure là, qui fait des boules de glace. Donc on va le mettre dans cette machine là. Passez en audio si vous êtes en train de manger. Ah non, ça a marché! Ah non, ça a pas marché du tout, ça l'a tué. Merde. Ah non! Non, ça a marché, il est vivant! Trop bien, parce que l'autre machine, la machine boule de glace, ça le tue. Et là, il est vivant. Ah mais c'est trop bien! Donc j'ai eu un achievement que j'avais pas. Ah oh, c'est génial, j'ai réussi à l'avoir vivant. Ah donc fallait bien l'amener dans cette machine-là. Moi au contraire, la dernière fois je l'avais amené dans l'autre machine en me disant, quitte à choisir, je préfère qu'on me mette sous une machine à boules de glace que sous une scie. Et en fait, ah mais c'est trop bien, mais du coup, ah mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oh.
La dernière fois, ça l'avait cassé en morceaux, en fait. Bah, il est un peu abîmé, mais il est vivant. Attends, du coup, on peut l'attraper? Bah, viens! Allez, petit. Allez, debout. Trop bien, j'ai un copain, du coup. Eh non. Mais... Ah non, c'est pas terrible, en fait. Ah, mais du coup, je fais quoi, maintenant? Parce que j'ai besoin de lui. Bon, allez, debout. Mais il arrive pas à se lever, on peut pas l'aider? Ah. Merde, c'est quoi? Ah, si, je vais l'attraper avec la machine. Ouais, je l'ai un peu abîmé, mais... vous auriez vu l'état dans lequel il est après la machine boule de glace? Ah non, on peut pas. Non, c'est bon, il s'est levé. Bravo! Allez, viens. Viens avec moi. Bien. Trop bien. Donc là, il nous suit? Allez. Allez. Et ben voilà. Tout va bien. Je savais pas que vous pouvez faire ça. Allez, viens avec moi. Du coup, il faut que je le conduise à une machine pour que je lui pose un implant comme j'ai sur mon bras. Bah, il est mieux là que dans son œuf. Allez, oui, c'est vrai qu'il fait un peu vlogging, le petit bonhomme. Allez, vite, on a un stream à faire. Oh. Mais c'est trop bien! Oh, putain, je savais pas qu'on pouvait l'avoir vivant. Ah bah ça y est, j'ai eu tous les achievements, c'était le seul qui me manquait. C'est dire si le jeu a une grande profondeur. Ah oui, alors là, la machine. Attends, il est où le truc pour les bras là? Il est pas loin. J'avais galéré à le trouver d'ailleurs. Elle est où la machine pour équiper les bras? Elle est là. Tiens, viens par là. Viens, viens te faire mettre le bras dans la machine. Putain, le pauvre. Je propose qu'on appelle Agbou. C'est pas très gentil pour Agbou. Allez. Mais allez! Oh non! Ah, faut le soulever. Allez, viens. Mais viens. Mais je peux pas. Ah là là. Allez. Mais je peux pas l'attraper. Ah si, ça y est, hop. Allez, faut l'attraper. On passe beaucoup de temps à soulever des petites créatures plus ou moins abîmées, hein. Allez. Allez, viens. Mets ta machine dans la bête. Oh, mais faut pas lui faire de mal. Allez. Mais comme ça, on est copains, on a tous les deux la machine. Voilà. Alors. Oui, alors. Allez, viens. T'as une petite... Voilà, toi, t'as un bras équipé. Alors, viens maintenant. Oui, exactement pareil, RPGiste. J'ai pensé à l'Odyssée d'Abe. Franchement, il nous continue à nous suivre, il a confiance. Allez, viens. Ah oui, c'est complètement différent. En fait, je vous dis, l'autre solution, quand on l'amène à la machine à glace, en fait, ça l'explose complètement et on ramasse son bras. Et c'est son bras qu'on va mettre directement dans la machine pour le... C'est vrai, je suis son père maintenant. Allez. Oh, c'est beau. C'est une belle fable sur la paternité. La plus belle depuis Eraserhead. Allez, viens là. Approche. L'autre solution est plus rapide, oui, ça c'est clair. Ah bah il tombe forcément, c'est-à-dire qu'on va devoir l'attraper. Allez, viens. On va pouvoir ouvrir le petit. Allez. Il est bien ce jeu. Oh non, mais il va lui faire mal à l'épaule. Enfin, comme si. Hop. Et hop, il ouvre la porte. Enfin, la première partie de la porte. Ok, tu bouges pas. Moi, j'ouvre le reste. Et voilà, une bien belle énigme résolue. Allez, merci, au revoir, au revoir. Ah, mais il est coincé du coup. Bon, il se débrouillera mieux tout seul. Et voilà, ainsi se termine la première zone.
Là maintenant ça va être du FPS. Ah oui, c'est très très Existence. Et encore, bah tu vas voir. Hein. Alors on va essayer de monter dans l'espèce de truc là. Après du Duke Nukem Forever, les passages dans les passages aliens du Duke Nukem 3D déjà étaient très inspirés de Giger. Donc du coup c'est normal aussi qu'il y ait cette vibe. Alors là j'ai été très très déçu parce que pareil il disait vous allez voir c'est un monde interconnecté blablabla que dalle en fait parce que vous voyez là on part descendre. Donc je pensais qu'on pouvait se déplacer librement dans le monde, en fait pas du tout. Ce qui fait qu'encore une fois ça limite un peu les... Donc là il y a plein de gens. Et là aussi, il y a des gens. C'est pas exactement ce qu'on dit normalement en arrivant devant un charnier, en disant « Oh, il y a des gens », mais bon, il y a des gens. Oui, et comme Giger, c'est plus ou moins des phallus déguisés chez Tipeee, c'est... Allez, ouais, sur le Game Pass, ça peut valoir le coup. Par contre, alors, où est-ce qu'on doit aller, là? Donc, regardez, oh là là. Espèce de machine à activer. D'abord, on va aller là pour récupérer un gun. Voilà notre toute première arme. Qui est vraiment cool. Et qui est la seule arme un peu originale du jeu. Le reste, ça l'est pas du tout. Celle-là, elle est chouette. En fait, c'est plus ou moins un fusil à captif. Comme vous savez, dans les abattoirs. Donc, en gros, vous tirez. Mais donc ça marche à air comprimé, il faut attendre que ça recharge à droite, vous voyez. Et du coup, ça oblige à vraiment bien timer les attaques, comme vous allez voir. Et vous foutez un coup, vous foutez le corps très très vite, parce que vous pouvez taper que deux fois. Après, il est déchargé. Et donc, il faut attendre que ça recharge. Et ça, c'est assez chouette. C'est vraiment... ça a vraiment de la gueule. Les autres armes sont moins sympas. C'est juste des versions crado organiques d'armes de FPS standard. Alors, commençons ici. Hop. Alors, ça sert aussi de clé, hein, pour certains objets. Là, on va activer les deux côtés. Et voilà. Alors, eux, ils nous attaquent avec des jets de... Des sortes de jets de fumée. Allez, tiens, on va prendre ça et la porter là-bas. Et on meurt très très vite si on fait pas gaffe. Ah non, visuellement, c'est très très beau. Hein. Enfin, après, faut aimer, hein, c'est vraiment Giger Crado. Hein. Mais le problème, c'est que passer ça... là, vous allez voir, ça se rapproche plus du genre d'énigme qu'il y aura dans la suite du jeu. Vous allez voir, c'est pas foufou. Alors là, on va essayer de les prendre par surprise. Et à rater. Cours, cours. Eux, ils sont débiles. Hein. Tant qu'on n'est pas dans leur cône de vision, ils font rien. Mais j'aime bien la façon dont ils éclatent quand on tape dessus. Ouais, attends, je vais l'activer celui de l'autre côté, déjà. Ce sera ça de fait. Pom, 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 pom. Et là, je me rends compte que, en fait, le jeu, on peut le speedrunner, mais à une vitesse... Parce que là, j'avais pas mal galéré pour comprendre qu'il fallait récupérer l'arme, activer les machins. En fait, c'est... Non, mais j'ai dû rater un truc. En fait, c'est assez simple. C'était où? C'était pas ici? Ah si, c'est ici. On passe là. Ah oui, c'est là. Hop là. En fait, le jeu est très très court. Le gunfight, c'est très survival. C'est-à-dire qu'on a très très peu de munitions. Et les ennemis font beaucoup de dégâts, donc il faut bien timer. Il faut tirer un coup, foutre le camp très vite. Recharger parce que les armes ont pas beaucoup, des barillets assez réduits aussi, donc c'est très survival horror quoi, les combats, le gameplay. Ouais, c'est ça, Galwan. C'est pas au point d'agonie comme agonie, il y a vraiment aucun intérêt. Là, il y a quand même des passages de jeux qui sont assez marrants. Vous allez voir après, il y a quelques combats quand même FPS qui sont pas trop mal. Il faut attendre un peu pour avoir le premier flingue, je crois. Hein. Donc, je sais pas si on le verra aujourd'hui. Ouais, mon flingue préféré, c'est celui-là. Notamment quand on arrive à prendre des ennemis par surprise comme ça pour leur mettre un coup de tatane dans le dos. Merde. Ils sont où? Il y en a un là, mais il m'a pas vu. Ah merde, celui-là. Bon, c'est vrai, ils sont pas très très farouches. Hein. Il y en a après qui sont, par contre, qui te traquent et ils te lâchent pas, quoi.
Mais c'est dommage de se dire s'ils avaient pris cette DA et ces armes et ces ennemis et tout ça, ou même ce genre d'interrupteur super bizarroïde qui nécessite de broyer un mec et tout, dans un vrai jeu, ça aurait été incroyable, ça aurait fait un super bon FPS par exemple. Mais là, c'est. Oui, il y a un gros marteau, tiens, avec une tête d'alien pour le coup. Le prochain niveau, vous allez voir, c'est qu'une claire référence à Alien. Laissez-moi passer. Voilà. Alors, c'est parti. Il va falloir activer cette espèce de gros poteau là. Alors, allons-y. On va chercher les petits. Voilà, ça c'est plus le genre d'énigme qu'il y a par la suite. Hein. Celle des œufs, c'était un peu une exception. Donc ça consiste à récupérer des éléments, les déplacer, hop là. Look. Et à l'amener là, c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Mec, il met vraiment ses mains dans n'importe quoi. Hop. Pam, pam, pam. Alors, il y en a d'autres. Normalement, il y en a trois. Il y en a une qui fournit de base et les deux qu'on a débloquées là, de chaque côté. Cette petite lampe là accrochée. Non. Allez. Voilà, va attraper le petit. Ah oui, ou pas forcément en FPS, ils auraient pu en faire un puzzle game aussi. Hein. Le problème, c'est que voilà, il aurait fallu un peu des vrais puzzles ou des éléments qui se combinent, tu vois, dans des mécanismes de jeu, ben, un peu comme dans The Witness. Où vraiment il y a des. Où est-ce qu'il faut le mettre? Ah, c'est là. Hop là. Qui fait que du coup, finalement, au final, le tout devient plus intéressant que la somme des parties, quoi. Et puis avec des éléments qui se rajoutent à chaque fois, là, c'est pas le cas, quoi. Là, c'est vraiment bah, un puzzle, puis un puzzle, puis un puzzle. Et parfois, il y a des mécanismes assez cool, et ils sont jamais réutilisés, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Hop, plus qu'un. Voilà. Ah, c'est en train d'ouvrir, on va pouvoir sortir du machin et aller à l'extérieur. Parce que visiblement, c'est ce qu'ils utilisent pour ouvrir la porte. Ne me demandez pas. Alors, il est où le dernier? Attends, j'étais bien allé le chercher aussi. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Où est le dernier? Ah, c'est celui-là? Non, c'est pas ça. Ah, si, c'est ça. Allez, va le chercher. Enlever le flou de mouvement. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'option pour le flou de mouvement. Il y a juste, on peut baisser toute la post-prod, effet post-traitement. Je peux l'enlever, mais là où ça va sans doute pas de flou de mouvement. Mais c'est un peu moins joli. Mais il n'y a pas une option flou cinétique dans les options, je crois pas. Hein. Flou cinétique. Non, il n'y a pas. Tout doit être dans post-traitement ou dans effet visuel. Ah si, il est là, en effet, vous avez raison. Donc non, j'ai rien dit. Voilà, on a activé le dernier. C'est un peu comme la pub des produits laitiers avec la grosse vache. Sauf que là, on est couvert d'espèce de lait de la bête, là. Alors là, j'ai pas compris ce passage. On est couvert d'une sorte de matière dégueu, ça, d'accord. Et là, on va se réveiller dehors, je crois, mais j'ai pas compris comment on est arrivé là. Ah, c'est pas vraiment déprimant, Bobo, c'est juste
C'est par contre c'est un peu malaisant comme disent les jeunes. Ah, il est ça qu'on a une espèce d'hallucination chelou. Ça me rappelle les grottes dans Lost from Beyond, ça. Ah oui, c'est vrai qu'on là, on se retrouve couvert d'une sorte de... On est pris dans un cocon. Bah là, on va renaître, plus ou moins, mais je sais pas comment on est arrivé là, je sais pas, voilà. Beaucoup de choses sans réponse. Voilà, ça, là, on se réveille dehors. Il y a encore des œufs à la guilleur. Alors c'est ce niveau-là, tu dis pof, Fassugger, mais Fassugger, Gilby, mais ce niveau-là, tu vois, c'est que des références à Alien. Mais vraiment, c'est clairement Alien. Ou le début d'Alien, ah oui, c'est vrai, on a vu le cordon ombilical. Yep. Et voilà, on est au milieu de nulle part. C'est fait avec Unreal Engine, alors je sais pas le 5, je crois, Bob le maladroit, mais c'est Unreal Engine. Alors, où sommes-nous? Regardez comme c'est joli. Donc on est sorti d'un de ces œufs là, qui poussent horizontalement, pour faire un peu original par rapport à Giger quand même. Et donc là, on va marcher au milieu de nulle part, jusqu'à arriver à un gros vaisseau, et là, franchement... Oui, c'est complètement une esthétique de pochette de métal, complètement. Complètement, complètement. Après, vous allez voir, le pauvre, il a pas fini d'avoir des trucs bizarres dans le bide. Vous voyez une sorte de gros vaisseau, ça c'est clairement... Les pierres sont très jolies. Oui, c'est pas terrible d'avoir les œufs, mais il n'y a pas un oiseau qui est comme ça, où il y a plein d'oiseaux de ces oisillons qui meurent en tombant à peine nés. C'est un oiseau qui n'est pas du tout optimisé, quoi. Oui, oui, c'est clair que Beksinski, c'est l'autre grosse référence. Il y a d'autres passages qui font très très Beksinski, bon là déjà un petit peu, hein, mais d'autres qui sont clairement, clairement... Là, vous allez voir, c'est plus Giger, notamment le... l'aspect du vaisseau dans lequel on va être après. Mais, ah, mais l'ambiance et les décors sont assez fous. Hein. Il est où le vaisseau? Ah, il est là. Ah, une espèce de tour, là. Et évidemment, dans le vaisseau, il va y avoir une bête qui va nous traquer. Spoiler. Vous allez l'avoir très vite. Alors, on rentre, non, c'est pas par là. C'est pas par là non plus? Ah si, non, on peut pas grimper là. Il y a énormément de murs invisibles. Espérez, on peut pas sauter et espérez pas grimper le moindre petit truc... Il y a toujours qu'une seule voie et elle est très très... Non, j'essaie de vous montrer l'alien comme qui est un peu un des points de tournant de l'aventure parce qu'après il va nous accompagner pendant un bout de temps l'alien. Qui est un peu différent de l'alien. Surtout, enfin, là, au début on le voit pas trop, là vous allez pas le voir trop, et plus tard dans le jeu vous allez le voir vraiment clairement, la tête qu'il a. Et là vous allez dire, ah oui, on sait pas du tout ce que j'imaginais, en fait c'est mille fois pire. C'est pas... Au début, je crois que vous allez voir, on pense que c'est une sorte d'alien vraiment à la alien en version un peu plus crade, quoi. Et en fait, ce qui n'est pas peu dire. Mais quand vous allez voir à la toute fin du jeu, vous le voyez vraiment en entier, et là vous faites, ah oui, non, il est vraiment abominable. Il est vraiment horrible. Ils auraient pas pu faire un pire design pour le monstre, en fait.
C'est un cauchemar, ce truc. Mais d'abord, allons le voir. Voilà donc dans le vaisseau. Ou l'espèce de tour, je sais même pas ce que c'est. L'arrivée fait quand même très très arriver dans le vaisseau Alien, dans Alien. Ou dans le Director's Cut d'Aliens, au début. J'ai jamais trop su quoi penser de cette scène, d'ailleurs, au début de Director's Cut d'Aliens. Est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose? Ou est-ce que... Regardez, il y a un truc là. Ah. Allez, entrons dans le vaisseau. Alors, il est assez grand ce niveau, il y a pas mal de trucs à faire. C'est quoi ça déjà? On peut pas l'activer. Non. Ça, on peut pas l'activer non plus parce qu'il faut une sorte de clé que j'ai pas encore. Il est grand celui-là, c'est le premier niveau qui est un peu ouvert, on va dire. Ça reste relatif. Là, il faut une clé. D'ailleurs, j'ai toujours pas la clé, c'est marrant. Je sais plus comment on obtient la clé, parce qu'elle sert beaucoup dans la suite du jeu. Ah oui, d'ailleurs, quand on appuie sur I, vous avez l'inventaire. Sauf que vous voyez tous les trucs. Ah non, ça marche pas. Pas encore. Plus tard, on a tous les objets qu'on a dans l'inventaire et on les voit qui apparaissent devant nous. Donc, on a un truc qui donne des stocks de munitions, de vie, des choses comme ça. Ah, il y a un monsieur là. Tiens. Ah, mais c'est lui qui nous donne la clé, non? Ah non, lui, il nous donne l'espèce de machin là. Qui sert que dans ce vaisseau. C'est la clé du vaisseau. Vous allez voir comment elle marche. C'est un puzzle! Alors en fait, le principe c'est qu'il faut aligner les différents éléments. Hop! Hop là! Difficile. Et ça a ouvert un truc, mais je ne sais pas quoi. La durée de vie du jeu, moi j'ai mis 8 heures. Et j'ai pas mal galéré sur les puzzles. Enfin, sur certains. Alors qu'ils sont pas très durs, mais je suis très mauvais. Donc il n'est pas très très long. Donc c'est pas par là. Ah mais si, mais je suis con, maintenant je peux aller là-bas. Comme j'ai la clé. La clé, je dois pouvoir la mettre ici. Voilà. Et voilà. Ah mais il n'y a pas un monsieur dans le cocon encore. Allez, donc il faudra faire un autre truc après pour activer le cocon. Mais pour le moment on va aller par là, on va monter. J'ai plus mon arme d'ailleurs. Je viens de réaliser que je l'ai perdue en mourant. On la récupère après, mais je sais plus quand. Enfin, en mourant, en renaissant dans le lait. Hé, hey, le petit. Voilà, en niveau en termes de jumpscare, pour les gens qui n'aiment pas les jumpscares, comme je suis pareil, je préfère prévenir, ça va pas plus loin que ça. Donc, vous aurez. Il y a un moment évidemment où l'alien va nous attaquer. C'est pas un spoil, vous en doutez. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est pas un jeu qui fait vraiment peur. Ah oui, celui-là est génial. Ça, j'adore ça. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment me faire installer chez moi. Regardez. Vous voulez aller là, comment vous faites? Eh bien, regardez. Vous choisissez là où vous voulez aller. C'est un peu comme les rampes d'aéroport. Hop, bon, elle est là, par exemple. On appuie. Ça, c'est assez cool. C'est un peu comme les trucs pour monter dans les avions, mais en plus cool. Un satisfactory organique, franchement,
où tu crées un gros organisme un peu comme une base Zerg dans StarCraft. Oh, ça serait tellement bien. Attends, il y a encore un monsieur qui traîne. Il y a des messieurs qui traînent partout. Personne n'a de bouche dans ce monde. Ah, mais je peux pas. J'ai plus d'interface comme je suis René. Il faut que je me fasse réinterfacer la main. On verra. Commençons par aller là. Là, vous allez voir, là, il devient plus compliqué parce qu'il bouge. Donc, faut voir. Ok, à quel moment il va s'arrêter devant un créneau où on peut se mettre. Il s'arrête là. On va le mettre là. Hop là. Merde. Hop, et le dernier, il s'arrête où? Il s'arrête là, évidemment. Et voilà! Il y a des séquences d'action, mais plus tard dans le jeu. J'espère qu'on j'essaierai peut-être de pousser un petit peu le stream jusqu'à 10h, jusqu'à 10h30. Non, peut-être pas. De toute façon, on l'aura fini à 10h30. Jusqu'à 2h30 pour vous montrer quand même juste au moins une séquence de FPS. Comme ça, vous aurez vu un peu tout le jeu. Mais après, enfin, vous attendez pas à Doom. Hein. C'est du survival FPS. On a très peu de munitions et grosso modo, ça sert juste à éliminer quelques ennemis. Alors, là, il y a du lait encore à faire couler. Mais je sais plus comment on fait. Ah oui! Là, il faut aller là-bas, mais c'est bloqué parce qu'il y a des cadavres en tas partout. Donc il va falloir qu'on trouve, faut faire couler de l'acide pour enlever les cadavres. Je sais plus où il est le bouton pour l'acide. On va trouver ça. Oh, c'est bloqué? Non. Oui, il y a un gros ventilateur. Mais on peut le couper après en allant par là, je crois. Mon copain. Il va littéralement être mon copain parce que je dis qu'il va nous suivre pendant tout le jeu après. Sous une forme un peu inattendue. Là, il n'y a rien. Il y a jamais, y a rarement deux chemins. C'est pour ça que je dis que ça paraît très très labyrinthique, parce que forcément les décors sont extrêmement fouillis et que tout est gris. Mais en fait, c'est quasiment que de la ligne droite. Ah ben là, on revient vers le... On est où là? Ah voilà, c'est bien, on va pouvoir couper le ventilateur. Ah bah oui, c'est là, c'est là. C'est le moment. Hop. Tout fonctionne au lait. Ce sera comme ça qu'on n'aura plus de pétrole, on fera tout fonctionner avec du lait. Ah bah après, Sniper, on s'en doutait un peu, j'ai envie de dire. On doutait que ça allait être ce genre de jeu. Et là, attention, attention, attention. Oh. Ça y est, on se fait attaquer par l'alien. Ah, faut essayer de comprendre cette scène en fait. Parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Il va se mettre derrière nous. Et là, ouais, alors on s'arrache une partie du ventre. Ah, c'est lui, c'est ça. C'est l'alien qui va glisser ses mains dans notre ventre. Et à partir de là, voilà. Ok. Et là, on utilise en fait la. Et là, on va. En fait, voilà. On l'a sur nous. L'alien, il y a des sortes de bras humains. C'est ça que j'avais pas compris à quel moment il se l'avait fait. Et il va les rentrer dans notre ventre en fait. Et on va le promener comme un sac à dos pendant une bonne partie du jeu. C'est ça exactement. Et en fait, ça j'avais compris, mais j'avais pas compris exactement comment il se fixait sur nous. Et à qui étaient ces bras-là. Si c'était nous qui essayions avec une paire de bras de le contenir, ou si c'était ses bras à lui. Et c'est ses bras à lui, d'accord. Et puis régulièrement, il va nous farfouiller dans les entrailles, ce qui nous fait perdre des points de vie, ce qui va compliquer un peu le jeu par la suite. Et donc maintenant, on va le trimballer partout avec nous. C'est exactement, c'est Death Stranding avec un alien à la place du bébé. Bon, on peut repartir en tout cas, maintenant qu'on a coupé le ventilateur. Et ça va être notre compagnon pendant quasiment tout le jeu. On l'enlève à la toute fin. Alors attends, là c'est le ventilateur, on passe de l'autre côté.
Encore une clé. Alors c'est toujours le même principe, sauf que ça va de plus en plus vite. Hein. Et il y en a une fois où ils ont caché une partie. Voilà. Ah oui, non, c'est très très existence. Hein. Et encore, je dis que vous n'avez pas vu les autres armes. C'est vraiment des flingues organiques, quoi. J'aimerais bien qu'on voit quelques ennemis, quand même. On va en voir assez bien. On va voir bientôt, je crois. Vous êtes dans la zone d'après. Il commence à y avoir des ennemis. Alors attends, ça, ah ben là on va pouvoir ouvrir la porte avec notre super compresseur. Mais là on revient vers la porte d'entrée. Oui, c'est ça. Là il faut la clé. D'ailleurs, c'est marrant, dans la première zone, t'as un endroit où il faut la clé. Mais. 100 points et à aucun moment on peut. Ah si, ça. Non, ben ça, celui qu'on veut, j'ai ouvert. On peut pas l'ouvrir en fait, c'est très bizarre. Parce qu'à aucun moment on a la clé à ce niveau-là, ça doit être juste décoratif. Ou alors il y a moyen de revenir dans la première zone. Parce qu'après on revient dans une zone qui ressemble à la première, mais je crois que c'est pas exactement la même. Tellement de secrets et de choses à découvrir. Non, pas tant que ça. Oui, il n'y a pas vraiment, il n'y a jamais vraiment de danger, il n'y a jamais vraiment de quoi que ce soit en fait. C'est très, c'est un jeu d'exploration en fait. Et on se promène dans des beaux décors, enfin des beaux décors, des décors originaux. Et non, c'était pas par là, il faut retourner là où il y a les rampes. Maintenant qu'on a le compresseur, on va pouvoir activer des trucs. C'est pas ça par hasard, non. Ça, je sais plus comment on l'active. Bon, on va remonter, on verra bien. On va rappeler l'ascenseur. Oh, c'était pas si mal, Crimes of the Future. Il y avait un côté un peu Cronenberg All Star, mais il y avait quelques bonnes idées quand même. Pas son meilleur film, mais il y a quoi là-haut? Ah ben non, là on va revenir dans l'espèce de truc avec les rampes là. Ouais, donc ce qu'il faut, moi, c'est que je débouche celui-ci. Et ça, je sais plus comment on fait. Je crois que si c'est en bas. Non, c'est par là. Non, on peut pas aller par là. Bah merde alors. Comment je vais déboucher ce tuyau? Ah ben on n'est pas allé à celui-là. Non, celui-là il est plein. Enfin, c'est celui où il y a les cadavres justement. Ah ouais, il est bloqué par des cadavres celui-là. Il va falloir les faire fondre. Et pour ça, il faut que je mette l'acide et je sais pas comment on fait. Je sais plus où c'est. C'est peut-être en bas en fait. Hein. Peut-être que j'aille en bas. Je crois que c'est en activant ce truc-là. Là. Attends, non, c'est là. C'est l'espèce de poste de commande qui est ici. Mais comment on l'accède? Comment on y accède? Putain, vas-y, il va reconnaître quelque chose là-dedans. J'étais tombé dessus par hasard la dernière fois. Ah non, c'est pas ça. Non, là, c'est le... Y a rien d'autre ici? Non. Non. Et de l'autre côté non plus, y a rien? Non. Ok, bonne ambiance. Ah, Easter Revelance, il est vraiment très 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 bien.
Ah, je trouve qu'il est quand même assez. Enfin, c'est un peu différent de ce qu'il faisait avant, mais c'est pas uniquement du gore à grand spectacle, ce que vous voulez, mais ou avec des prothèses et compagnie. Mais il y a quand même vraiment un côté Cronenberg quand même, dans les thèmes et dans le. Ah, c'est là. Ah oui, mais je peux pas. Faut que je me fasse implanter. Donc si j'avais bien trouvé le truc de commande, c'est juste que je peux pas l'activer. Ah bah super. Attends, ça je peux peut-être l'activer. Bah non, ça je l'ai déjà fait. Mais ça sert à rien. Attends, je vais peut-être. De toute façon, je peux pas aller à 36 endroits différents. Là, je peux juste remonter. Et alors celui-là, il y a les cadavres. Celui-là, ça c'est l'entrée, donc ça va être par là. Ça c'est celui où il y a le ventilateur, parce qu'il y a raté un truc, je sais pas, c'est bizarre. Après, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire qu'on j'ai dû passer devant le machin qui équipe le bras, et évidemment, je l'ai raté parce que tout se ressemble. La toute première salle, là, quand on doit équiper le. Alors là, c'était notre pote, mais. Quand j'avais joué, moi, c'était juste son bras. J'avais mis mais super longtemps à trouver où était le slot pour équiper le bras. Mais j'ai tourné pendant une demi-heure avant de le trouver. Et en bas, là, il y a quoi? Ben non, on revient au ventilateur. Et là, il n'y a rien. Ben non. Là, c'est là que je l'avais coupé. Là, on revient. C'est dans ce coin-là qu'on s'est équipé. Parce que la logique voudrait qu'on se fasse équiper du bras. Ensuite, là, on a ouvert un truc, mais je ne sais même pas quoi. Attends. Non, ça, c'est dû activer. Quand il y a un trait barré comme ça, c'est qu'on peut pas. Ah, attends. Là, il y a quoi? Ah, il y a des trucs, là, je suis pas allé. Ou alors, c'est juste pour redescendre? Ah, ça doit être par là. Ouais, c'est possible que ça rame un peu, hein. Alors attendez. C'est quoi? Non, ça c'est déjà qui est. Bah non, on revient en bas. Bah oui, on revient là où il y a les. Où on avait trouvé le mec qui nous a filé la clé là. Enfin, filé. Sur lequel on a récupéré la clé, on va dire. Déjà fait, donc ça, je peux pas l'activer. Enfin, si je peux, mais ça changera rien. Ah, si, peut-être maintenant que j'ai le compresseur. Ah non, il faut la clé. Non, il faut la clé. Puis il descend pas tous les fruits. Donc, ça doit vouloir dire qu'il manque un truc encore. Ça, je peux pas l'activer. Ah si, je peux. Non, je peux pas. Donc c'est pas par là. Bien, bien, bien. Non, il me manque vraiment un truc. Il faut que j'équipe mon bras, quoi. Mais je sais pas où. Je sais pas où faire équiper mon. Ah, il faut tous les anneaux. Bah oui, pas bête. Pas bête, il faut tous les anneaux. Mais du coup, moi, pour ça, il faut que je fasse équiper mon bras. Je sais pas du tout où je peux trouver un équipeur de bras. Il y a tellement de trous dans les murs. Les fruits. Attends, oui, les gros fruits là. Peut-être aller voir par là. Non, ça c'est l'entrée. C'est par là qu'on est arrivé dans le vaisseau. Donc c'est pas par là. Ouais, ça c'est l'entrée. Je me rappelle, il y a l'espèce de champignon là.
Bah, je trouve que ça fait l'atmosphère, sur bon, après on n'aime pas, hein, mais oui, c'est vrai qu'il y a presque plus un côté Bad Mojo, ouais. Ça rappelle un petit peu ça. C'est vraiment un jeu qui repose beaucoup sur le dégoût. Ça non, on peut pas passer. Non. Bon allez, putain, la dernière fois j'avais trouvé sans aucun problème. J'ai vraiment dû passer devant. Comme un gros nulos. Ok. Alors, va retourner au premier. J'ai dû rater un truc. Hein. C'est vraiment du j'ai dû rater un truc orienté de gameplay par moment. Vous allez passer beaucoup de temps à passer devant un truc nécessaire. Attends, c'est pas ici. Non, là c'est juste la clé. Non, c'était pas là. Où est-ce que ça peut être? Ils sont aujourd'hui sur Steam, ouais. Eh ben là, bah oui, mais c'est là, mais. Eh ben oui. Ma main est tout à fait normale. Et ce n'est pas un endroit pour les gens qui ont des mains normales. Ça peut pas être là. Donc la clé peut pas être aussi près de la porte. Règle numéro 1 du game design, enfin du level design. Et ben on va aller. Où est-ce qu'on pourrait aller? On va essayer le suivant. Non mais j'ai dû passer devant. Oh, c'est chiant, j'aurais bien fait vous montrer quelques combats quand même, pour que vous puissiez avoir une idée un peu de ce qu'il y a après. Bon après c'est pas les combats qui vont révolutionner. Ah, je suis pas allé par là. Ah mais on peut pas. Ah si on peut. On peut pas. Ou là peut-être retourner là où l'alien m'a attaqué. C'est un truc que j'ai raté. Là-haut, là, il y a quoi? Ah, mais oui! Ah, mais non. Cette fausse joie. Mais tout se ressemble. Tout se ressemble tellement. Ah oui, j'aurais dû mettre les colons de Catane comme sous-titre pour le test. Ben non, on revient là. Je ne sais pas, je ne sais plus. Les bruitages sont très bien, et encore, vous n'avez pas tout vu après. Quand on commence à voir le truc qui nous farfouille dans le bide, là, les bruitages sont vraiment dégueulasses. Le problème, c'est que tous les bruits font un peu chlup chlup blurk blurk. Et du coup, on sait jamais trop si c'est un ennemi qui approche ou du bruit d'ambiance du décor ou quoi que ce soit d'autre. J'ai quand même essayé de retourner. Par où j'avais atteint les contrôles du ventilateur là? C'est un des seuls endroits où je suis pas revenu. Là, il y a quoi? Non, là, je suis déjà allé. Hein. Ah! Voilà, là, c'est le contrôle du ventilateur. Mais du coup. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est là où on s'est fait attaquer par l'alien. Y a pas un petit truc que j'ai oublié là dans le coin? Pff, ils sont relous avec ça. Hein. Non, c'est pas par là. Il y a des passages plus dégoulinants après. Il y a, à partir de la zone suivante, il y a plus de trucs qui bougent dans le décor. Ce qui n'arrange pas non plus la lisibilité générale. C'est des trucs qui gigotent. Et des fois, c'est assez dur de savoir si c'est un ennemi. Enfin, le décor, enfin, il y a des décors, vous verrez, après, des colonnes qui sont constituées en fait de cadavres d'ennemis qui s'effondrent parfois. Et dans le tas, il y en a un qui va se mettre à bouger. Et c'est un peu. C'est très chiant parce qu'on dit toujours, on sait bien que la plupart sont morts, mais il suffit qu'il y en ait un seul de vivant pour que ça complique les choses énormément.
Parce que les ennemis sont quand même assez dangereux. Bah écoutez, je ne sais pas où me faire greffer une main. Oui, complètement. C'est vrai qu'il y a un côté très, très Artho. Mais il n'y a pas trop de caca. C'est plus Binding of Isaac, Artho. Là, c'est pas trop branché caca. C'est plus. C'est plus lait et. Acide un peu, forcément, comme il y a des références à Alien. Et en bas, là, il y a quoi? Bah non, c'est le contrôle. Mais putain, ça peut être où? Ça fait 20 fois que je passe au même endroit. S'il vous plaît, ma main. Le corps à côté du contrôle. Ah, peut-être. Mais je crois pas, je crois qu'il l'a juste poussé. Je pense pas qu'on puisse l'utiliser comme ça. Non, on peut pas l'utiliser. Il l'a poussé, d'ailleurs il a pas les mains équipées, il avait juste mis la main dans le gant, pas dans le truc où il faut le pic là. C'est relou. Il y a un côté chasse aux pixels, ouais, comme dans les point and click d'antan. Mais sauf que c'est pas hein, le pixel qu'on cherche, c'est le couloir sombre dégueulasse de 3 cm de large. Là, on a dit qu'on pouvait pas aller. Hein. Ça ramène au niveau des contrôles. Non, mais ça peut pas être là. Je suis allé trop haut de ce côté-là, puis il y avait déjà l'ouverture du ventilateur et compagnie. Ça peut pas être de ce côté. Ah, c'est chiant ça. Attends, ça c'est celui qui est bloqué. Hein. Donc la sortie, elle est là. On va revenir par là. Ah, tout avançait très bien. Même le premier puzzle hyper dur, là, on l'a réussi en pas trop longtemps. Et voilà, je suis coincé. Et je vais passer devant le truc, je vais faire. Ah, mais ouais! Ah, j'ai pas regardé en bas dans la salle, là. Attends, c'est quoi ça? C'est une autre salle? Non. Mais du coup, peut-être ici. Non, là, il n'y avait rien. Mais c'est incroyable cette affaire. Ouais, heureusement qu'il y a le détourage. Ah ouais, sinon ça serait l'enfer. Je vais quand même aller voir en bas. Il y a peut-être un truc que j'ai raté de l'autre côté du machin avec les fleurs. Parce que là, il n'y a rien. On est d'accord? Non. Sinon, je vais prendre ma sauvegarde et je monte au niveau suivant. C'est de la triche, mais. J'ai dû louper une artère. C'est sans doute ça. Enfin, il y a un truc que j'ai raté. Il y a un truc que j'ai raté. Là, c'est par là où on arrivait. Là. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Bon, voilà, j'essaierai de vous montrer quand même quelques combats. Je crois qu'il y a une sauvegarde par chapitre. Dans le. Donc, je pourrais vous montrer le chapitre suivant. Et parce que là c'est l'entrée. Ouais. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ce machin à bras. Bon, je vais vous montrer quand même vite fait à quoi ça ressemble ensuite. Parce qu'il est déjà 14h04. Ouh là là, j'ai pas mangé. Choix de l'emplacement. Emplacement 01. Hop. Chargé. Voilà, vous avez les différents actes. Donc là, on était dans l'acte 3. Celui avec le vaisseau, c'est celui-là, je crois. Bah non, c'est acte 1, 2. Et ça, c'est découpé bizarrement. Non, là, c'est là, on était dans acte 2. 2, 2. Ah oui, d'accord, là, en plusieurs... il y a 1, 1, 1, 2. Donc là, on était dans le 1 de 2, 1. Et là, on va aller. Je vous montrer l'acte 3, comme ça, il y aura un peu plus de trucs. Je vous montrerai l'acte 4. L'acte 5, je vous montre pas, ce serait dommage de vous spoiler la fin. Je vous montrerai l'acte 3 pour pas spoiler l'acte 4, qui est joli, quand même. L'acte 4, il a vraiment un truc. Il y a un passage assez. Enfin, 3 et 4, il y a des passages qui sont vraiment très très cool, je vais pas vous les montrer. Pour pas vous spoiler le jeu, quand même. Mais l'acte 3, comme ça, vous verrez un peu comment ça marche. Donc, ça, vous voyez, qu'est-ce que j'ai comme arme? Donc, pour l'instant, j'ai juste le. C'est juste après le vaisseau, là. Donc, là, vous allez voir comment fonctionne en gros le principe des clés. C'est-à-dire qu'on arrive là. Donc, là, par exemple, ma clé, elle a un point, donc je peux pas ouvrir. Parce qu'il faut que j'en ai deux. Donc, il faut que je trouve un terminal pour recharger ma clé. Et ça se fait par là.
Il est bien ce niveau, ça vous montre un peu à quoi ça ressemble un peu par la suite quand on a tous les quand on a tous les éléments. Non, j'ai récupéré le goût, Biro, j'ai pas perdu d'ailleurs. J'ai pas perdu le goût, l'odorat. J'ai perdu tout le reste, mais pas le goût et l'odorat. Voilà, vous voyez, c'est plus organique vers la suite, c'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup plus d'éléments qui bougent et qui. Il est pas mal ce passage. Pour aller récupérer la clé, c'est assez rapide. Après, par contre, il faut traverser des ventilateurs. Voilà, c'est là. J'ai chargé ma clé. Donc, c'est comme ça qu'on gagne un niveau d'accréditation, en fait. Hein. On la branche dans des terminaux. Hop, et ça donne le niveau d'accréditation qui est marqué dessus. Comme quoi, même quand on est un UX designer d'un pays complètement étrange et fait d'organes et de débris, on pense quand même à certaines choses. Ah, j'aimerais bien manger des paupiettes, tiens. Très bonne idée, Morinato. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de paupiettes. Là, vous allez voir, ça fonctionne. J'aime beaucoup la façon dont s'ouvrent les clés, enfin, dont fonctionnent les clés. En fait, il met juste à proximité et il appuie dessus, et hop. C'est une sorte de passe RFID avec une gâchette. Alors là, il va y avoir des ennemis. Ça va bagarrer. Il y en a un ici. Le problème, c'est que là, on n'a pas encore d'armes à distance. Donc, il va falloir y aller. Parce qu'ils crachent de l'acide, ceux-là. Donc, vous verrez un peu comment marchent les combats. Ah non, c'est bon, il s'en va. Parfois, ils font que passer. Donc, faut pas s'approcher. Faut attendre de voir ce qu'ils font. Et quand on peut éviter d'aggro, c'est bien. Parce que les combats sont quand même assez durs. Sauf qu'on a des armes à feu. Mais le problème des armes à feu, c'est qu'elles ont très peu de munitions. Là, on va ouvrir le truc. Là, faut aligner les deux trucs, gros, pour passer. Passer. Vous voyez, c'est fait de cadavres d'ennemis, ces trucs-là. Et du coup, parfois, il y en a plein, plein qui tombent, et dans le tas, il y en a un qui va se relever. Parfois pas tout de suite. Et ça crée une certaine incertitude. Ah, il y en a en balle. Donc, on va essayer de l'éviter. De toute façon, il y en a un qu'on va être obligé de combattre après, je vous rassure. Mais tous les combats qu'on peut éviter, il faut les éviter. Cours, 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 et courant. Cours de travers surtout. Hop là. On va refermer le truc derrière. Comme ça, non seulement on active le pont. Le but c'est d'ouvrir au niveau du pont. Mais surtout comme ça, on bloque le passage du machin en bas. Voilà, parfait. Comme ça, on ne sera pas coursé par l'alien. Ah merde, si, il y a encore un trou. Non, c'est bon. Bien. On peut s'enfuir. Ah merde. Alors ça, c'est l'espèce de poulet. Eux, ils tirent des projectiles. Ils font beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est que... Merde, je l'ai raté une fois. Ouf, putain. Vous voyez, quand vous ratez, il faut attendre que votre truc recharge. Sale bête. C'est assez technique. Ceux-là n'ont pas beaucoup de points de vie. Il y en a qui en ont beaucoup plus, et ça devient vite chaud. Donc vous avez des vies. En haut, c'est la barre. Et quand vous êtes blessé, vous pouvez... Est-ce que j'en ai, là? Non, je ne l'ai pas. Après, vous avez un... Ce que j'ai comme munitions. Là, c'est l'inventaire. Ouais, c'est bon. Alors, le truc que vous voyez au centre, là c'est à droite, c'est la clé. À gauche, c'est mon arme. Au milieu, c'est l'espèce de pod, là. En fait, c'est un truc qui sert à contenir et des vies et des munitions. Donc, ça sert à la fois de sac de munitions et de médikit portable, en fait. Et tout ça, c'est des très bonnes idées. C'est juste que comme il y a finalement très peu de combats, et que c'est, hein, c'est des idées qui sont jamais vraiment exploitées, quoi. C'est un peu dommage. Mais ils ont vraiment essayé de faire un jeu, quoi. Ils n'ont pas juste... Mais ni au niveau des puzzles, ni au niveau de la partie FPS, il n'y a jamais rien de très... Tiens, là, par exemple, je vais pouvoir recharger... Ah non, ça, c'est la clé. Il faut que je continue par là. Voilà. J'ai jamais trouvé une arme, quand même, pour vous montrer, mais... Ils font que décoller. Là, ça va être le grand jeu de ce niveau, c'est de réussir à déplacer ces cabines, là, pour aller plus loin. Et on va pas le faire en entier, parce que ça prend un certain temps. Oui, c'est vrai que ça fait très généré par IA. Bah, y a un jeu un peu dans le style. Ah, voilà. Vous allez voir, parfois, l'espèce d'alien. Ça a des moments scriptés. Hein. L'espèce d'alien, là, hop, il essaie de nous arracher les viscères. Et ça nous fait perdre un point de vie. Enfin, un créneau de vie. Et c'est très chiant.
Parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de vie dans le jeu et qu'on crève très vite, devoir en plus trimballer en permanence un truc qui vous draine des vies, c'est chiant. Et plus tard dans le jeu, pour une raison que vous verrez, activer un interrupteur va vous coûter des vies aussi. Et du coup, il faut vraiment réfléchir au chemin qu'on prend, même si encore une fois, comme les niveaux sont très simples, c'est pas très dur, pour optimiser la trajectoire, parce qu'à chaque ouverture d'une porte, elle vous coûte cher, quoi. Et ça, c'est des idées qui sont vraiment chouettes et qui vont bien avec l'ambiance un peu désespérée, l'univers perturbé dans le sens. Mais le problème, c'est que voilà, ça n'a pas été vraiment exploité en fait, à aucun moment. Merci Campinou. Il a une utilité dans l'histoire de l'alien. Alors à la toute fin, oui, l'alien, il aura une utilité, mais encore une fois, c'est tellement abscon tout de toute façon que c'est pas comme si vraiment il révélait quelque chose, quoi. Merci Campinou. Oh, je te remercie. Ouais, je sais pas où je récupère. On récupère. Si c'est à passer, si c'est à l'étage suivant de ce niveau-là qu'on récupère le pistolet. Bon, bref, vous avez vu comment ça marche. Oui, c'est pas faux qu'on peut en blesser. C'est qu'il y a une sorte d'entre-deux qui fait que rien n'est vraiment réussi. Mais en même temps, heureusement que c'est pas uniquement. Parce que le pire, c'est que il y a des bonnes idées, quoi. Là, par exemple, le coup du flingue, qui est un flingue de mêlée, et qui est très puissant, il peut tuer la plupart des trucs en 2-3 coups. Mais en même temps, il est très non rechargé, donc il faut charger l'ennemi juste quand il a attaqué, frapper, puis aller se planquer le temps qu'il refasse du verre comprimé. C'est chouette, quoi. Il y a des passages où vraiment il y a des combats, c'est assez agréable. Mais le problème, c'est que voilà, c'est pas assez exploité, c'est pas très bien équilibré, des fois c'est trop dur, des fois c'est trop facile. Enfin, il aurait fallu qu'un spécialiste de game design de FPS. Ah bah tiens, voilà un gros machin de merde. Tiens, raté, merde, cours, cours, cours. En plus, tous les ennemis quasiment, eux, attaquent de loin. Il n'y a qu'un seul type d'ennemi qui fait que de la mêlée, mais lui il est tellement balèze que de toute façon, c'est vous qui voudrez pas vous le taper en mêlée. Où il est? Il est là. Franchement, comme type de combat Survival Horror, c'est pas mal, hein. Mais encore une fois, voilà, il aurait fallu que ce soit plus exploité, il aurait fallu que ce soit plus creusé, que ce soit plus long. Il manque quelque chose, quoi. Bon, tant pis. Ah oui, des fois le truc se coince dedans quand on le tue. Il y a une petite animation. Allez, lâche. Et c'est dommage, parce que vraiment, ça aurait pu être. On a vraiment l'impression que c'est un échantillon de ce qu'aurait pu être un chouette jeu, quoi. C'est pas uniquement une DA. Il y a vraiment quelque chose, quoi. On entend plein de trucs qui grognent. J'aimerais bien trouver une station de vie pour vous montrer à quoi ça ressemble. Enfin, parce qu'il y a tellement de trucs cool, j'ai envie de vous dire, regardez comme c'est cool, ça, regardez comme c'est bien pensé. Donc la première fois qu'on le voit, c'est chouette. Après, une fois qu'on l'a vu, bon, c'est une station de vie comme une autre, quoi. Ah oui, il y en a un qui. Il y a un machin qui rampe là. Eux, ils sont très 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 dangereux. Mais celui-là, ça va, il peut pas nous atteindre. Il a plein de petits. Tout a l'air malade en fait. Même les ennemis, ils ont l'air mourants. Le personnage principal est mourant aussi. Enfin, tout est mourant en ce moment. Et tout est quasiment tout est mort. On va tout faire abandonner aussi. On a des rares éléments encore en vie et on est tout pété. Bon, bref. J'aurais bien vous montrer le. Ah oui, ça va être le truc qui va servir à déplacer des cabines par la suite. Bon, allez, je vous montre vite fait le flingue, comme ça vous verrez. Du coup, je me rends compte qu'on l'a assez tard dans le jeu, en fait. Acte 4, on aura toutes les armes. Ah non, on n'aura pas encore le fusil. Bon, on aura au moins le pistolet. Ça, vous verrez le pistolet, vous verrez pas les armes d'après. Il y a 4 armes en tout, hein. Voilà, donc là, alors, quand on change d'arme, en fait, on. Bah, il veut pas changer d'arme. Alors, on change pas. Ah oui, merde, je suis con. Comme j'ai réinstallé le jeu, il faut que je change les commandes. Parce que c'est pas encore du QWERTY. Ils ont été très malins d'appeler les armes 1, 2, 3 et 4 dans le menu pour pas les spoiler, même si bon. Donc, ils changent les 10 éléments. Ça, c'est le truc de base, donc vous l'avez vu. 2, c'est le pistolet. 3,
3 c'est un fusil à pompe. Et 4 c'est une arme que vous aurez que dans le dernier niveau qui sert aussi un peu, qui sort un peu de ça. Bah, vous allez voir. Et là c'est en plus du fonctionnement FPS classique quoi. C'est juste qu'on a très peu de munitions. Et qu'il met. Il met très longtemps à recharger. Donc, et en plus, il peut pas courir quand il recharge. Donc faut être extrêmement prudent. Et quand on peut économiser les munitions, là je fais n'importe quoi, c'est pour vous montrer. Hein. Mais quand on peut économiser les munitions et ou éviter les combats, ou les finir au. Ah putain, en plus ils anticipent vachement bien là où on va se trouver, ils tirent pas tout droit. Ils tirent pas là où on est, ils tirent là où on sera. Et contrairement à la plupart des ennemis de FPS. Et du coup, ça oblige à courir en zigzag, sinon vous faites dégommer tout le temps. Il y a beaucoup de monde là. Il y a quand même beaucoup de monde là. Faut le camp. Enfin voilà, comme ça vous voyez un peu comment ça marche. Mais le jeu est. Ouais, comptez 8 heures pour le finir. En vous perdant régulièrement. Ah, celles-là, ils sont chiants. Ouais, chut, chut, sale bête. Merde! Plus de munitions. Ah, mais là, je suis dans les merdes. Bah, y'a plus qu'à courir. Et à courir en diagonale, toujours très important. Tu vas regarder. Regardez comme il est beau. C'est un gros monstre. Lui, on peut pas le tuer directement, il faudra faire. Retrouver une autre solution. Voilà, bon bah c'est bien. C'est un peu ce à quoi on s'attendait en fait. Hein. C'est très très chouette visuellement. C'est très. Il y a beaucoup de bonnes idées. Il y a quelques bonnes idées de gameplay, mais qui sont pas assez exploitées et tout. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est dans le Game Pass. Donc jouez-y avec le Game Pass. Je pense pas que ça mérite d'être acheté, surtout à 40 balles. Pour un jeu qui dure 8 heures et surtout avec un gameplay qui est quand même assez limité, c'est un peu dommage. Mais c'est très con surtout parce que vraiment il tenait un truc quoi. Contrairement à Agony ou à d'autres jeux où il y avait vraiment que la DA, là il tenait vraiment un truc. Il y avait vraiment quelques. Vous verrez surtout le dernier niveau, il y a beaucoup de bonnes idées de gameplay. Il y a des passages vraiment dégueulasses. Mais c'est dommage qu'il ne l'ait pas assez. Vous passez ça entre les mains de quelqu'un qui est ou un. Vraiment quelqu'un qui vraiment qui a pas un Jonathan Blow ou alors un id Software, peu importe la direction que vous voulez prendre, et dans les deux cas vous avez un jeu incroyable. Et là ils sont un peu restés dans un entre-deux avec du puzzle game pas terrible, du FPS pas terrible, et avec quelques bonnes idées des deux côtés mais jamais creusé quoi, donc c'est un peu con. Mais bon. En tout cas, sur ce, je vous laisse, et puis ben écoutez, bon week-end, et à la semaine prochaine, on fera du Twitch délire, ça y est, il va falloir, hein. Faut s'y remettre. Comme j'avais le Covid, j'ai pas eu le temps de faire un nouveau niveau, mais j'en ferai d'autres. Et je chercherai des idées aussi pour les points de chaîne et compagnie. Voilà. Et ben à bientôt, salut !